this competitive global economy, developing and emerging economies like Mauritius are continuously investing in the acquisition of know-how in new technologies that will empower their human capital. In this context, an agreement was signed in September 2012 between the governments of Mauritius and Italy through their relevant ministries. This resulted in a pilot circular migration project between the two countries, which was implemented by the International Organization for Migration, financed by the European Union, and co-funded by the Italian Ministry of Labour and Social Policies. Les objectifs de ce projet se concentrent principalement sur l'appui auprès de Mauriciens, hommes comme femmes, qui souhaitaient pouvoir développer leurs compétences et leur expérience dans des domaines précis et stratégiques de l'économie mauricienne. I think this is a very innovative project because actually it works on the strengthening of legal migration, and as you know, in Europe and globally, illegal migration is a big challenge. Participants from Mauritius and Rodrigues were selected to attend training programs in Italy in the fields of agribusiness, agritourism, aquaculture farming, and the hospitality sector. The first batch of beneficiaries left for Italy in October 2013 after a selection process, and subsequent batches departed in May and June 2013 for 3 to 4 week training programs. On a basé la formation sur, pas seulement sur les compétences professionnelles que les enseignants ont partagées, mais aussi sur des visites de terrain qui ont permis aux bénéficiaires de voir un contexte différent de ce qu'ils ont à Maurice. Ça a été une expérience vraiment formidable, enrichissante. Et cette opportunité de nous avoir donné d'aller en Italie, de pouvoir faire notre connaissance et d'emmener cette connaissance ici à l'île Maurice pour servir notre pays et mettre en valeur ce qu'on a appris parce qu'on finit jamais d'apprendre. Donc encore merci et merci. Grazie mille. The project also provided financial assistance of 3,000 euros per beneficiary to 11 beneficiaries who were selected after submission of a call for proposals exercise in December 2015 to set up new business projects or expand their existing businesses within the context of reintegration activities. From there on, we started up with our theory classes in Italy. They've shared a lot and they've taught us a lot about the agriculture, the marketing, the advertising. So the first thing I spotted was a farmer's market in Bologna, which was huge all the time. We've been visiting their fresh vegetables, fresh fruits, honeys and meat. They helped us with the coming up with the whole project. My project was having an agritourism setup with my bio farm and the farmer's market. As you can see today, I'm in Chamarelle here. I work here. It's not an easy ground, but that's the project, you know. All the good stuff comes from hard work and I'm here to work hard. Le soutien qu'on a eu avec l'Union européenne et IOM et aussi le ministère du Travail à l'île Maurice, ce qui nous a donné à 3 000 euros pour un déboursement. Et avec cet argent, déjà, pour un entrepreneur, on peut dire qu'on peut aller de l'avant, c'est un premier pas. Je suis en train de lancer de l'aquaculture à Poutre d'Or, dans les barrages froids des Poutre d'Or. Et comme l'aquaculture, je suis en train de lancer des huîtres et aussi des clams et aussi des crabes. We do the transformation fruits and vegetables. We specialize on banana chips. We do the transformation, we do the value added, and then we export it and we do selling for local market. The opportunity I got there to learn more,
I bring this idea and develop it in my factory. We have developed this new model of business. C'était une vraie réussite, une vraie découverte. L'Italie, avec ses produits, c'est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les livres, à la télé, ni sur le marché local. Ça m'a inspiré à faire mon propre entreprise dans la cuisine italienne. My impression, after having visited these two final conferences and also having talked to the beneficiaries in Mauritius and in Rodrigue, I think people are very enthusiastic and I think my overall impression is very positive. C'est avec fierté, en tant que ministre de la République de Mauritius, de constater que l'accord de migration circulaire avec l'Italie, avec le soutien de l'Union européenne, a été un succès. Le résultat est visible, la mission a été accomplie. Tout ce qu'on a fait ensemble, si on a réussi à le faire, c'est justement parce qu'on a mis au cœur du projet l'aspect humain, en sachant être à l'écoute les uns des autres et solidaires de bout en bout dans la mise en œuvre du projet.